Ouverture d'une nouvelle banque algérienne à l'étranger. L'Algérie poursuit son déploiement en Afrique. Après l'ouverture des lignes aériennes entre Alger et de nombreuses capitales africaines comme Dakar, Nouakchott et Addis Abeba, le gouvernement procède à l'ouverture de banques algériennes dans certains pays africains. En effet, l'Algérie a ouvert une banque, la Algerian Bank of Senegal, à Nouakchott, en Mauritanie. C'était il y a environ 2 semaines, avec la présence de 2 ministres du gouvernement d'Aïmen Ben Abderrahmane à la cérémonie d'ouverture dans la capitale mauritanienne. Le lendemain, les mêmes ministres se sont rendus à Dakar, au Sénégal, pour l'inauguration de la seconde banque algérienne à l'étranger, en l'occurrence la Algerian Bank of Senegal. Mais l'Algérie ne compte pas en rester là, puisque selon le Premier ministre Aïmen Ben Abderrahmane, une troisième banque sera aussi créée sur le continent africain. S'exprimant lors du Forum économique algéro-tunisien, le responsable a fait savoir que l'Algérie va ouvrir une nouvelle institution bancaire à Abidjan, en Côte d'Ivoire.